Hello le nouveau vlog, on se retrouve aujourd'hui, on est à Chiang Mai. On s'est levé à 4h du mat, on a quitté Bangkok, on avait notre avion à 6h. Et là il est à peu près 9h et on arrive à l'hôtel qui est trop stylé. Et on prend le petit déj. Et voilà, il fait beau et je pense que ça va être trop cool. De ce qu'on a vu, c'est trop stylé. Franchement, on arrive en taxi donc on a un petit peu vu. C'est trop stylé, j'aime trop. Et là l'hôtel est vraiment trop stylé. Déjà de premier abord, tu peux faire Chiang Mai. Ouais, mais parce que nature, ça, moi ouais, c'est plus ce que j'attendais de la vie. Plus calme, plus oui, nature, plus ouais. Mais je vais vous montrer le petit déj et la piscine et la chambre qu'on a seulement sur vous. Mais en tout cas, ça va être cool. On ne sait pas encore ce qu'on fait aujourd'hui, mais ça va être ça. Bye. Mais enfin, je sens qu'il sera plus accro à son argentique qu'à son numérique. Non. Non. C'est lequel que t'as en main? Et non, mais c'est parce qu'il est nouveau et que j'ai envie de tester, j'ai envie de voir comment ça fait. Bah oui, je comprends. La lumière est trop belle. Alors, pancake pour Lara, des cornflakes et un latte et un jus d'orange. Valentin a pris ça et des toasts. On est au Rodman Hotel. Il est trop stylé. On va faire le premier temple à Chiang Mai, on vient de partir, l'hôtel est juste derrière nous. Et on va se diriger vers le premier temple. Non, c'est pour vous, Lara, on va prendre un cours. On va prendre un cours de Kung Fu. On a plusieurs objectifs aujourd'hui. Me trouver une sacoche, parce qu'en fait, les sacs à dos, c'est vraiment pas pratique pour choper des trucs. J'ai tout le temps besoin de payer ou de chercher mon téléphone. Mmh. J'aime pas avoir mon téléphone dans la poche. Assez grande. Ouais. Choper des trucs, c'est quand même mieux ça. Ouais, non, c'est mieux. Les sacs à dos, vraiment, c'est chiant. C'est chiant. Ensuite, trouver un genre de voile. Parce que dans les temples, en fait, il faut avoir les épaules couvertes. Et les filles n'ont pas le droit de mettre des shorts. Donc, il faut à chaque fois que je prenne un pantalon, mais c'est chiant, quoi. J'ai chaud. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut encore? Du scotch parce que l'appareil de Valentin c'est un peu un vintage et du coup il y a un petit bout de plastique qui dégage quoi à chaque fois. Ouais, je mets un petit coup de scotch. Voilà, donc on va mettre un petit coup de scotch noir et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Mais tu vois, genre là, t'as vu quand t'es passé dans la rue le petit scoot et tout? Ouais. Si, ça donne beaucoup plus envie de faire du scoot. Ouais, bah oui, Bangkok pas du tout. Ah non, Bangkok tu peux pas. Tu vois, hop là, t'as une location de scoot. Cool, bon. Ouais, c'est cool. Déjà il m'attend pas. C'était le Silver Temple, un truc comme ça, mais il y a un autre nom, mais j'arriverai pas à le dire, donc je vais pas le dire. Là, il y a que Valentin qui a pu rentrer dans le temple, c'était Men Only. Non, mais ils commencent à m'énerver un petit peu avec, de 1, leurs restrictions vestimentaires. Franchement, que pour les filles. Et puis là, Men Only, mais attends, en fait, je suis sûre qu'il y a forcément une raison, peut-être que c'était... Tu regardes sur Internet? Je vais regarder sur Internet et je vais vous dire ça. Parce que c'est impossible pour moi de me coucher sans avoir cette réponse. Parce que ça me paraît fou d'interdire les nanas. Du coup, direction le deuxième temple. Qui s'appelle? Est-ce que tu sais? Ouais. Non, tu vas regarder, tu sais pas. Si? Non. What crossing? What? Là-bas, il y a une cantine que de moines, trop stylé. Oh shoot, en plus c'est bon. Temple, là on se balade, c'est magnifique, c'est incroyable. Pour l'instant c'est le plus beau que j'ai vu, il y a des plantes de partout, les monuments ils sont, enfin, c'est tout en or et tout, c'est incroyable, il y a des moines qui se baladent, franchement c'est incroyable, c'est magnifique.
Temple et là on se balade et franchement c'est trop stylé, non? J'avoue qu'il y en a beaucoup des temples et l'ambiance elle est trop cool. Il y a beaucoup de tourisme, je pense qu'il y a 50-50, hein. Il n'y a pas beaucoup de locaux mais il y a énormément de tourisme. Du coup il y a plein de cafés trop cool, plein d'endroits où se faire des massages et tout, mais des endroits stylés. Après, c'est un temple, je me souviens. Et bref, franchement c'est trop cool, j'adore vraiment. C'est cool, attention la marche. Attention la voiture, plein de belles maisons et tout comme celle-ci. J'aime bien. On va manger, puis on va peut-être se baigner. Ouais, moi je veux juste aller, on va voir ce temple et après on fait tout ça. Là, on fait un troisième temple qui s'appelle Wat Chedilang. Je le dis certainement très mal. Il est genre au milieu de Chiang Mai. Et c'est grave cool. Franchement, pour l'instant, je surkiffe Chiang Mai. Vraiment. Et toi? Ouais, c'est stylé. C'est beaucoup plus petit, beaucoup plus calme. Et tout. Ouais, j'adore. Et le temps et tout. C'est trop stylé. Franchement, c'est trop stylé. Et surtout, n'oubliez pas de venir avec un pantalon ou avec un châle ou avec une écharpe, un bout de tissu pour couvrir vos jambes. Là, c'est aussi un temple Man Only. Enfin, bref. Tous les temps. Je suis d'accord, mais comment ça se fait que c'est vraiment que les meufs? C'est ça que je comprends pas. Enfin bref, on va faire le tour et ensuite on va aller manger et on va essayer de récupérer notre chambre à l'hôtel. On se baigne un peu. Ça va de se déshabiller dans la rue là? C'est chaud, hein? C'est parti! Valentin, ton défi avant qu'on nous serve à manger, c'est de prendre une photo avec ce petit appareil. Parce que Valentin a du mal vu qu'il cherche la photo parfaite. 5 minutes plus tard, franchement 5 minutes. Hein. J'ai juste eu le temps d'être servi des coca. Et il est revenu avec un banger. Enfin, on suppose. Il y avait un truc, un truc et un scooter qui passait en milieu. Et j'ai vu ça revenir. Il n'y avait personne sur le trottoir aussi. C'est trop bon et c'est pas étouffé. Avec que des touristes. Avec quoi? Avec que des touristes. Avec ses plans. C'est un grand bruit qui est forcément là. C'est épicé? Non, mais j'ai un grand bruit qui a fait. Tu sais pas manger? Là j'ai bossé genre 45 minutes pour le mariage que je dois rendre. Donc j'ai fait quelques photos. Valentin il a chillé. À bord de la piscine. Hein. À bord de la piscine. Et maintenant on sort un petit peu avant le sunset. Comme ça on va pouvoir avoir les baleines de lumière en Golden Hour qui ont déjà commencé d'ailleurs. Et on va aller au Bazaar Night Market. Voilà, pour manger, pour se balader. Enfin bref. Valentin photographe est activé. Le chasseur de Pokémon est de retour. Le chasseur de Pokémon ou de Sunset? C'est quand tu veux, faut traverser là. Voilà. Là-bas, il y a un passage piéton. Ou là-bas? Là-bas, ils sont allés. There was a glimpse of what's to come. I don't want anybody telling me I'm confused. I'm not insane, I saw the sun. Plus de l'eau que du smoothie, mais c'est bien. Je préfère ça que du soda. Il est beau le plan là. Tu veux dire quelque chose? C'est le moment. J'ai vu quand t'as pris la première gorgée que
C'est pas dingue. Si, si, c'est bon, mais je m'attendais pas à ça. C'est bien parce qu'ils ont mis plein d'eau du robinet. Donc tu vas te sentir bien demain. À l'hôtel, je crois que je vais finir tous mes vlogs comme ça. Il est 20h. Je me suis fait un thé. Je vais retoucher des photos un max possible, genre je pense jusqu'à 22h. Et ensuite je vais dormir parce que le réveil à 4h du mat après la semaine qu'on a eue, c'était un peu piquante. Hein. Et Valentin, lui, s'est pris son petit repas du soir. Franchement, j'avais pas faim. Il avait pas faim. Il a pris des chips, des chips Lay's au sushi. Un gros bon. Et des yum yum. À demain.